je tiens d'abord à saluer toutes les femmes, même les nouveaux-nés, les filles, les petites filles, les bébés qui sont nés aujourd'hui à l'hôpital, à la maison, partout dans le monde entier. Je tiens à vous saluer. Les femmes, le monde nous appartient. Mon nom, c'est Marie Larose. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Et je profite de cette occasion de souhaiter une bonne fête à toutes les femmes de partout. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de d'où je viens, de mon pays de Togo, de mon village Thiévier, d'où je viens. Mon nom, c'est Marie Larose et mes parents m'ont surnommé Marie-Jeanne Doyon. C'est mon nom. Je suis fière et c'est avec la fierté que je me présente devant vous aujourd'hui, le 8 mars, la journée internationale de la femme. Je viens de Thiévier. Chez nous, à Thiévier, au Togo, c'est à peine 20 à 25 minutes de Lomé. C'est un petit ville. Non, on dit la ville, pardon. C'est une grande ville, pas trop loin de Thiévier. Et j'aimerais bien vous parler de la femme de Thiévier, la femme de Thiévier. Chez nous, à Thiévier, notre spécialité de Thiévier, on cultive beaucoup de l'huile de palme et de gari. Et chez nous, il y a une fête chez nous qu'on appelle Aïzan. Aïzan, c'est la fête d'haricots. Ça se fête chaque année, juillet. Et il y a eu toujours des invités, des préfets, des ministres, des enfants qui s'habillent comme ça souvent à la fête de Thiévier, c'est-à-dire Aïzan. Raison pour laquelle je me présente comme ça devant vous aujourd'hui. En tant qu'une femme qui vient de Thiévier, une femme qui vient de Thiévier, c'est une femme battante, c'est une femme qui est toujours prête pour la famille. C'est une femme qui est toujours là à n'importe quel moment. Tu tapes la porte à une femme qui vient de Thiévier, il y aura toujours la nourriture parce qu'une femme de Thiévier prend toujours soin de son mari, ses enfants et sa famille. Donc, sur ce, je souhaite une très bonne fête à toute la population, surtout les femmes de Thiévier. Et aujourd'hui, c'est notre jour de marché. Le jour de marché de Thiévier, c'est vendredi. Tous les vendredis, c'est la journée de la femme de Thiévier. Parce que lorsque vous vous trouvez dans le grand marché de Thiévier, il y a tout le monde, toutes les femmes. Le jour ouvrable, les femmes vont au marché, bien sûr. Il y a d'autres qui vont aussi au champ. Il y en a aussi qui travaillent dans les fonctions publiques. Une femme de Thiévier, c'est une femme d'abord intellectuelle. Ceux qui ne sont pas trop allés loin à l'école comme moi, nous sommes des battantes. Nous aimons faire vraiment du commerce. Nous aimons vraiment se battre dans la vie. On aime seulement aider les uns les autres. Vous voyez seulement l'exemple chez moi. Donc voilà, c'est l'histoire d'une femme qui vient de Thiévier, non loin de Lomé, d'où je viens. Mon nom, c'est Marie Larose. Bonne fête à toutes les femmes du monde, à toutes les femmes du Togo, à toutes les femmes de préfecture du Zion, Thiévier, d'où je viens. Je vous adore. Allez, maintenant, nous allons danser. Nous allons parler si vous avez des questions à me poser. Si quelqu'un veut être invité, j'en ai que 30 minutes, même pas 30 minutes, j'en ai moins de 30 minutes. Mais je souhaite bonne fête à toi, Laurie Hill, ma personne qui m'a jamais laissé. Merci beaucoup, bonne fête à toi. Et il y a Lydia, bonne fête à toi. Il y a tellement de gens ici que je ne saurais pas dire votre nom. Mais si vous êtes des femmes qui me suivent en ce moment, vraiment, bonne fête à vous. Il n'y a rien de tel. La journée internationale de la femme, c'est une journée à ne jamais oublier. Même les femmes qui sont à l'hôpital en ce moment, vraiment, je vous le souhaite aussi. Je vous souhaite bonne fête. Pas je vous souhaite
maladie. Non, je vous souhaite bonne fête. Car la femme, c'est le pilier du monde. Who won the war? Les femmes. Lorsque une femme est derrière quelque chose, ça réussit toujours. Et lorsque une même femme est derrière quelque chose, ça peut se gâter aussi. Donc, le pouvoir, ça appartient que les femmes. Nous, les femmes. Surtout les femmes africaines. Maman, on est tellement là, déposées. Même ceux qui ne sont pas les vraies femmes. C'est toujours des femmes battantes. Donc, nous allons jouer la musique de Jonas Pedro, paix à son âme, qui a fait l'honneur à la femme qui a chanté cette belle chanson de Les femmes d'abord. Voilà, je vous laisse écouter et je vais danser pour vous. Belle Marie La Rose, top. Car la vie c'est vous. Car la vie c'est vous. Ceux qui connaissent la fête d'Aïzan, il manque seulement les perles. Parce que souvent on met beaucoup de perles. Et on met l'argile. Blanc, 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 blanc sur le corps. Voyez un peu? C'est tout ce qui manque sur mon habillement. Sinon c'est comme ça on s'habille. Habit traditionnel. C'est la rose. Hey. Bonne fête à vous tous, Ngofuni. My brother, how you doing? La force du monde, c'est les femmes. Hey. Hey. Bonne fête à toi, mon maman chérie. À mes deux sœurs chéries, je vous aime. Et souvent, nous les femmes de Tchévier, ce ne sont pas dans nos habitudes de se maquiller. Raison pour laquelle vous me voyez sans maquillage, mais seulement rouge à lèvres. C'est tout. Avec lait, la rose, ça dose toujours. Hey! La force des hommes, c'est les femmes. Bonne fête à vous tous, la diva, à moi. Hey. Hey. Chuba, Chuba, bonne fête à vous. Hey. C'est un peu chaud là. C'est chaud. Ta-da-da. Les démons. Hein? On recommence. Merci à Jonas Pedro. Hein? Ouais, il a chanté pour nous. Hein?
jouer quelque chose d'autre. On va jouer quelque chose d'autre rapidement. Rapidement, rapidement. Au rapidos. Ouf, j'ai chaud. Mais c'est pas grave. On va jouer quelque chose d'autre rapidement. Quelque chose. Quelque chose que mon chéri m'a envoyé. Attendez, hein. On va jouer quelque chose. C'est toujours pour les femmes, hein. Ok? Voilà. Ça, on les appelle les Sasamaso du Togo. C'est toujours là pour les femmes. Celles qui vomit, pardon, va vomir ailleurs. Non, il faut les laisser gesticuler. Hey. Et nous, aujourd'hui, dans le monde, mon Dieu, mais mon Dieu. Parce que mon Dieu, mais mon Dieu. Qui n'est pas bébé la maman. Il a dit non, maman. Mon Dieu, il est pas bébé, il a dit non, maman. Et nous. Awo fofo bi dokaye ojo ona e kine bela ye pa chere funu apete togo togo omu le jade mo dile mo clairement ye mo di na be mano kala mo ojo mi o mano kala mo ojo mi o da bozu beni. Tu bella su toño valo. Tu bella su toño. O muli chadiu. O muli chadiu. Il a dit lo. Les femmes elles se font blaguer, hein. Ah oui, hein. Yepli Yamaha, il a dit lo. Les Togolais, bonne fête! Marie-Mat Dogno, bonne fête à toi! Ma petite soeur chérie! Et nous, vous gentils, non, non! Mon Dieu, mais ma diolo! Papa! Et gâte, mon Dieu, mais ma diolo! Il est bobé, il a dit non, maman! Il a dit non, maman! Mada bozu vide kobi ira di nama. Hey! Ao fofo bi, doke ye uto wan. Ye pa chele funo. Nye ye nye direte, erpeke toko. Nye ye pa chele funo. Omu li jade mo, dile mo clairement. D'abord, obéir. Caca est très délicat. Tu obéis ou prends tu obéis ou t'es. Oh mon égalio, tu n'y as pas de noir. Et la diolo. Pas l'entrée de défaite. Et plaît, Yamaha, il a dit holo. Sasamaso, qui connaît Sasamaso? Ah oui, hein. Bonne fête à vous, bonne fête à vous. Lily, bonne fête. Lydia, c'est ça, non? Charles, Christelle, bonne fête à toi. Anaye, Anaye, Anaye,
greet you. I love you, my sweet heart sister. I love you too. Katia, c'est ça ton nom? J'ai pas des lunettes, donc je vois pas bien. Mbabi Dio. Mon ventre est trop gros, hein. T'inquiète. Bébé est sorti dedans. Non, j'aime trop la chanson si. C'est les chansons que nos parents ont. Sasamaso du Togo. Ah oui, hein, c'est les Sasamaso. Tu vas danser juste en 10 minutes. Tu vas Ashley, bonne fête à toi bébé. Otames, bonne fête à vous, bonne fête à vous, bonne fête à tout le monde, bonne fête à toutes les femmes du monde. Merci, merci. Nous allons toujours terminer avec Jonas Pedro parce qu'aujourd'hui il y aura toujours deux chansons seulement pour terminer. Les femmes, nous sommes aimables. Les femmes détruisent, les femmes arrangent, les femmes gagnent toujours. Donc les hommes, faites très attention aux femmes parce qu'une femme est très précieuse. Vous avez compris? Est-ce qu'on dit toujours la journée internationale de la femme? En tout cas, je n'ai pas encore appris la journée internationale des hommes. Donc, sachez.
Je vous aime. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Merci aux hommes. Prenez toujours soin de nous. Une femme est comme une fleur. Ok? Une femme demande tout simplement à être arrosée. Arrosée chaque matin. Prenez très bien soin de nous. Parce que le monde, ça nous appartient. Le monde, c'est pour nous. Il n'y a rien à faire. Vous pouvez beau le faire. Vous pouvez tout faire. C'est les femmes d'abord. On dit toujours, derrière un grand homme, se cache toujours une femme. Donc, sur ce, c'était mon mari La Rose. Et encore et encore, bonne fête de femmes à toutes les femmes du monde. Spécialement à ma maman chérie qui a souffert pour moi, qui était toujours là pour moi. À ma petite soeur, Marie-Marthe qui est connectée. À ma petite soeur, Marielle Dognon, qui je ne vois pas vraiment, mais je sais qu'elle est quelque part. À ma amour, la diva, Starla, tous ceux, toutes les femmes, toutes ces femmes-là qui ont confiance en moi, Marie, La Rose. Aujourd'hui, c'est votre jour. C'est ma journée, c'est votre journée. Oui, que la femme battante gagne. Vive les femmes battantes, vive les femmes africaines, vive les femmes heureuses. Je vous aime. Oh, trop choco rose. Merci beaucoup, Abdoul. Mon bébé, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hier, un de mes petits, là, Alomé, qui m'a fait un son aussi. Qui m'a fait un son. Bon, à l'honneur de la femme. À l'honneur de la femme. Donc, je vais jouer ça rapidement pour vous. Il a joué ça pour toutes les femmes du monde. Voilà le son ici. Voilà le son. Il a chanté pour les femmes. Mon amour, bonne fête à toi. C'est magnifique dans ta tenue africaine. Merci beaucoup. Mon amour. Oh Kéti. Oh Kéti. Oh Kéti. Les femmes. Le son est bien, c'est relax. PM, ta gym, la dose. Ah, je dois continuer. Hein. 50 pounds doit quitter dans mon corps. Ça reste 45 pounds. Sauf que j'ai déjà perdu 15 pounds, ce qui est faire, je crois, 7 kilos. Hein. Le ventre surtout, ça doit partir. Hein. Parce qu'il y a tellement de robes que je risque à ne plus porter, donc je dois travailler là-dessus. Ok, ok, mon bébé. Mes boules-boules ont commencé à partir, hein. Vous vous rappelez? Avant j'avais beaucoup de boules-boules. Ça commence à partir. Mon bébé. Ok, ok, mon amour. Ok, ok. Ok, tu, mon bébé. Ok, tu, ok, tu. Marie-Marthe, merci pour les cœurs. La femme de ma vie, la femme de mes rêves, je ne peux t'oublier.
La femme. Les femmes. I'm so glad I'm a woman. Si je reviens encore au monde, je vais encore être femme. Oh yeah. Ouais, qui danse comme ça là? Marie. Marie, tu danses bien, hein? Marie Bazeler. Bazeler, c'est ça? Tu as vraiment dansé. T'as écouté la chanson? C'est trop belle. C'est trop. Une très belle chanson. Donne-nous la recette pour perdre. Au fait, il n'y a pas de recette. Je prends les pilules là que je vendais. Je vends toujours. C'est à la disposition de Tata Sophie Darrel, à qui je souhaite bonne fête d'ailleurs. Mais je vais au gym chaque jour que Dieu fait. Il est quelle heure en ce moment? Il est déjà 16h. Je ne mange plus jusqu'à demain midi. Non, demain matin, je peux préparer 2 œufs avec protéine ou bien du lait chaud, lait sans caroli là. Comment on dit ça? Comment on appelle ça même en français? Français. Il y a de l'air sans neutre, c'est-à-dire sans rien dedans, sans vitamines, sans rien. Je chauffe ou soit je bouillis 2 œufs avec de l'eau chaude. Je prends ça le matin. À midi, je peux manger tout ce que je veux, mais pas gras. Pas comme les athéques avec beaucoup d'huile et tout et tout. Mais je mange plus de végétables, c'est-à-dire les végétables. Je mange ça plus. Et l'après-midi, je peux manger peut-être du yaourt, yogourt, sans... je dois compter tous les calories qui sont dans les nourritures que je prends au fait. Donc, après ça, c'est à partir de 15h, 16h. À partir de là, je ne peux plus prendre yogourt ni rien. Mais le soir, si j'ai vraiment faim, vraiment faim, que je ne peux pas dormir, je peux manger la pomme. Je peux prendre pomme verte, pas jaune ou rouge, non. Je peux prendre pomme verte, un seul ou bien moitié. Je mange, je bois de l'eau chaude, je dors. Je suis déjà habituée au fait, ça fait 3 semaines que j'ai commencé. J'ai perdu 15 pounds, je crois mon docteur m'a félicité. Moi, mais j'étais très contente. 3 semaines, donc alors dans 3 mois, je crois que je vais avoir... la taille, la forme, parce que lorsque tu deviens trop grosse, ta forme, ta taille, tout se fait pas bien. Et j'ai pas envie de changer ma garde-robe, parce qu'il y a tellement des habits là-bas que j'ai pas envie d'abandonner. Donc je suis obligée de suivre ça, vous voyez un peu. Donc merci beaucoup. Je vais vous donner les résultats chaque semaine. Et ici, vous voyez, avant c'était un peu plus tendre, ça bougeait beaucoup. Maintenant, ça c'est devenu un peu plus dur. Vous voyez un peu, vous voyez. Là, ça devient, parce que, you know, aller à la salle de gym aussi, c'est une très bonne chose. Mais souvent, on est lazy. Mais lorsque tu oublies à faire de lazy, lorsque tu te dis que tu es une star et que tu as appelé aller quelque part pour se faire admirer par tes fans, tu es obligé de le faire. Si les Beyoncé, les Kardashian, les autres là le font, pourquoi pas nous? Eux, ils sont mieux que nous. On peut aussi le faire. Donc, laissez les stands bracata là qui mangent, qui boivent de temps à travers. Mais bien sûr, les gens comme moi, il y a grosseur dans notre corps. Donc, on doit toujours se contrôler. Voyez un peu là. Ben, n'oublie pas de me suivre sur Snapchat si vous voulez voir mes photos sexy. Mes photos sexy... je montre presque tout parce que je veux regarder ces vidéos là après quoi. Donc mon Snapchat c'est Marie La Rose PM, ok? Marie La Rose PM Snapchat. Je suis 2 jours là, je suis presque chaque heure, chaque minute, je suis sur Snapchat. Mon Instagram c'est Marie La Rose PM aussi, mais je suis pas trop sur Instagram, mais peut-être que je vais commencer bientôt parce que beaucoup de gens demandent. Je vais commencer à, you know, à être plus active sur Instagram aussi. Mais pour côté régime, suivez-moi sur mon Snapchat.
Yeah, suivez-moi sur mon Snapchat et vous verrez chaque matin à la gym, je montre mon corps. Seulement, je montre pas ici, mais je montre derrière, je montre comment est-ce que mes escaliers, là, mes boules là, en train de diminuer. Je montre presque tout. Et à la fin de la gym aussi, je montre sur mon Snapchat. OK? Donc, voilà quoi. Et je crois que Ashley dit quoi? Je veux bien que tu dédicaces, s'il te plaît, pour la fête de toi, non? OK, Ashley, mon amour, mon bébé, mon amour à moi, mon tout. Je sais que tu es ma tout. Tu es une femme. OK. Sorry. Je te souhaite une très bonne fête, Tata Marie. Tu m'envoies les cœurs. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Donc, voilà, c'est tout ce que je fais. J'ai arrêté vraiment, surtout de boire. Je peux boire. Le docteur m'a dit je peux boire 0,5 verre par jour. You know, entre midi 2, je peux. Je peux boire. J'entre glass of wine, je peux boire ça. Mais alcool, moi, pour moi-même, je ne suis pas une buveuse avant. Je ne bois pas. Donc, ma boisson préférée, c'est du vin. Je prends du vin au dîner. Donc, je peux prendre, mais pas trop. Donc, pour ne pas être exagérée, j'ai coupé l'alcool, c'est-à-dire même le vin. Pendant ces 3 semaines-là, j'ai vu que j'ai perdu 13 pounds, presque 15 pounds, you know. Ce qui est très bien. Donc, restez connectés. Sur Facebook ainsi que sur mon Snapchat. OK? D'accord. Merci, ma chérie. Pas de problème. Surtout, pomme verte. Mangez ça souvent. Mangez pomme jaune ou rouge. Tout ça, c'est trop sucré. C'est trop sucré. Et aussi, ma maman m'a dit de boire, de couper les gingembre avec citron. Ma maman, non, ma petite soeur. Marie-Mathe. Nous tous, on est Marie-Marie, hein. Marie-Jeanne, Marie-Matt, Marie-Louise. Maman, tu es Marie, hein? Donc, de découper citron vert, pas citron vert, citron jaune, ça peut être n'importe quel citron. Et puis, gingembre. Et je fais bouillir ça et je bois comme de l'eau. Ça fait partie du vin. Bon, première semaine, j'ai fait ça. La première semaine, pardon, j'ai fait ça. Mais les deux autres semaines qui ont suivi, j'étais trop prise par le boulot. J'ai pas fait, mais bon, je crois qu'à partir de semaine prochaine, je vais commencer aussi à le faire. Donc, voilà quoi. Merci ma chérie pour ton dédicace. Merci chérie. OK, on va se dire au revoir, mais on va toujours jouer Jonas Pedro pour se dire au revoir parce que il a valorisé les femmes. Joue à Kofa, à Kusa, ça c'est vrai. Ça, ce n'est pas faux. À Kofa, à Kusa, de chez moi. Akofa, Akusa. Quelle chanson de Akofa? Ok, j'ai déjà vu. L'amour, non? L'amour, c'est ça? Non. Ok. Moi, je bois le citron jaune à l'eau tiède jeune. Ah bon? Et ça travaille aussi, non? Je crois. Mais on va le faire, hein? On en a besoin. Nous, les femmes, nous sommes tellement précieuses. Nous sommes tellement... C'est-à-dire, on est femmes, quoi. Donc, on doit être tout le temps coquette. Et non, souvent, pas seulement pour plaire à quelqu'un, mais toi-même d'abord. Il faut se sentir à l'aise sur soi-même. Tu vois un peu? Donc, voilà. Yo, Tata Kalelema, bonne fête, non, lo. Nick Pipi. Ma tivi viu lolo. Ni pipi. Ma tivi viu lolo. Je suis la levine. Ça lolo la mia yo. Je suis non yé na ne awi eliaki. Merci à celle qui m'a dédié, c'est ça non, cette chanson, je crois que c'est comme ça on dit non, la royale de Kim,
Nick Pépé, tu es toute belle. Merci chérie. Ma tévise, ou non, non. Nick Pépé. On dit rien ne peut être doux plus que l'amour. L'amour quoi, l'amour. Crème la rose. L'amour est mes ongles. Mes ongles là aussi sont vilains comme ça, hein. Mais je travaille beaucoup, je ne peux plus mettre les faux ongles. Tout trop là, vous voyez, non. Donc je suis obligée que demain de garder mes propres ongles. Mais quand même, il faut que je cherche à faire pédicure manucure, non. Regarde comment c'est laide. Et Fafa a jemi agbo e nana awi aliye ki ti e lo lo le a ayale le a bi me. Mon fils me dit ce matin, mami, you look so young. Genre, maman, tu ressembles à une adolescente. C'est-à-dire, I look young, quoi. Je look jeune. Je dis, ah bon, tu trouves? Et puis, il m'encourage, quoi. J'aime trop mon bébé. Papa, on est d'abord. Mon bien en réalité. Tu es l'oléa. On va écouter Milonia ne roule abîmé. Ça c'est qui? Ça c'est ça, Samantha. Yé ma blévo. Ya pogo. Silence. Vive la femme togolaise. Vive la femme africaine. Ah oui, pour moi, c'est l'Afrique, que l'Afrique gagne. Que tu fais jeune. Ah, que je fais jeune. Voilà le bon français. Elle mérite les cœurs, s'il vous plaît. Oh, merci beaucoup. Ah, bobo. Nikikuko Nama Yame Bekuko Nama Yame Mabliwo Di. Magnifique, merci Anna. Marie-Math, merci beaucoup. Wow, Bekuko, comment? Yamé. Crème la rose, ça dose. Je fais tout ça, mais je veux vendre. Payez, faire vos commandes. J'ai les représentantes partout. En Europe, en Belgique, en Genève, au Canada et ici. Vive la femme africaine, toute belle et naturelle. Merci la rose, merci beaucoup. Pas de maquillage, hein. Je vous dis que je ne maquille plus. Hein. Plus des crayons, des yeux. Seulement ici, dans cette. Sinon, ah, crème la rose. Maman, ça dose. Quand tu fais commerce de quelque chose, il faut que les gens voient l'exemple sur toi. Ou bien, attention, bien, meilleur.
Même si à quoi Mado Vovolina n'y a pas méto. Hey Vovolina n'y a pas méto. Mado Vovolina n'y a pas méto. Kaké, tu as perdu 10 ans, oui, c'est ce que les gens me disent. 10 ans ou 10 kilos. Ce qui est sûr de les deux. J'ai perdu, je crois que j'ai perdu 18 ans de moins. Quand tu me vois, tu me donnes quel âge quand même. Toi aussi. Tu ne vas pas me donner quand même 35 ans. Ou bien, tu vas me donner 35 ans. Tu vas me donner au moins 27 ans. Ou bien 30 ans, 32 ans. Ou bien. Kaké, Mado, Vovolina. Ashley, merci. Merci d'être là pour moi. Mado. Véro, tata Véro. Merci, il faut bien danser pour moi. Correct. Prudence. C'est comment? Non, 23, toi aussi tu es exagéré, chérie. Ma Jessie Wokola. Menye. Ma Nya Voko. Ma Jessie Wokola. Menye. Ma Via. Vlan Wolo. Medi Bemanya. Zozona Wo. Ah, ma fille a fini. Allô, ma chérie? Allô? Ok, l'autre fille est là, non? Ok, je serai là-bas tout de suite, ok? À demain. Demain, il y a cliento, je te prends, ok? Oh, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure. Désolée, c'est ma fille du salon qui m'a appelé. I'm sorry. Foutonitini, Mauritanie. Eh, vous m'appelez même de Mauritanie. Hein? Vous m'appelez même de Mauritanie. Maman. Mauritanie, hein? Majestuokola. 15 ans, oui, je peux prendre ça. 15 ans de moins, ça c'est vrai. La vraie femme togolaise. Ah oui, ce n'est pas les Nyama 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 du Togo. Ah, Abisso. Abisso. Togo Tommy Bara. Ouais, je vais bien. Et vous, mes chers, vive le Togo et l'Afrique. Toujours. Hey, happy Women's Day. Thank you, baby. Elsa, what's up? Happy holiday to you too, baby. Zozona wo, menye mabia wolo, meti be manya zozona wo, menye mabia wolo, adi woneze mazi si wokola, menye mabia. Chérie, tu ne m'aimes pas, mais tu es calé et tu envoies les têtes de mon maman. Hey, vous êtes sincère. Hein? Très belle beauté naturelle. Merci beaucoup, Justin. Merci. Aujourd'hui, on est en Afrique. Ah, bah, bien sûr. Hein? Et ton yébé, voyez, Madoué.
Cocoé. Je dois accoucher Dédé Cocoé Mamble. Parce que mon mari est de là-bas. Maou, viwo, mi, va, fofo. Nino, pe, dodo, da, tite. Yesu, le, mio, fe, salame. Nesota. Non. Bonsoir, bébé. Rodney, comment tu vas, bébé? Ni va popo, ni non pe dodo da tibe, yesu le mien pe salame. Je suis restée trop longtemps que prévu. You look lovely, thank you so much. Rebecca, how you doing? Comment tu vas? Bonne fête à toi. Femme battante, femme entreprenante, bisous. Bisous à toi aussi. Salamé. Tu vas être intronisée ce soir en quoi? Chérie, je me suis réintronisée togolaise spécialement tchédienne. Dito. Mais vous pensez que je vais laisser être là-bas là. Camerounaise, bien, je ne laisse pas. Je voulais même m'habiller comme ça, mais après j'ai dit non, il faut que j'aille un peu à Tchévi aujourd'hui, quoi. T'es une sympa, j'adore. Que te garde toujours. Toujours pour nous. Amen. Yesu le mien fait sa remède. Ben merci, merci beaucoup, merci. Je suis assez restée avec vous. Les femmes, bien sûr, c'est notre journée. Les femmes, nous sommes supposées à être posées, à être attentives, à être douces. Je sais que beaucoup de femmes n'aiment pas foutaise, comme moi je n'aime pas foutaise, bien sûr. Mais Dieu a mis en nous quelque chose de très précieux qui attire les hommes envers nous. Même une femme sauvage est toujours attirée par un homme. Je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Raison pour laquelle nous, les femmes, nous ne devons pas jamais, jamais cesser de se valoriser. Arrêter de se faire dénigrer. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Et on ne dit pas que la journée internationale des femmes palabreuses, les femmes... je ne vais pas dire, mais cette journée, c'est une journée très précieuse créée par une femme, je crois une femme française, droit de la femme, parce que je sais, à l'époque, dans les Écritures, les femmes n'avaient pas droit vraiment à rien du tout, et du coup, j'ai oublié son nom, sinon j'allais vous dire son nom. Elle s'est revendiquée et aujourd'hui, nous les femmes, nous avons cette liberté-là. Une femme peut être présidente, une femme peut être directrice, une femme peut être entreprenante. Regardez aujourd'hui, lorsque moi je prends le cas de Oprah. Oprah, c'est une femme qui a tellement souffert dans sa vie, qui n'avait rien, qui vient d'une famille très pauvre, mais aujourd'hui... Elle a appelé à être une femme milliardaire de l'Amérique. Tout le monde respecte cette dame. Tout le monde, quand tu attends son nom aux États-Unis, c'est une femme vraiment aisée, bien sûr autoritaire. Powerful woman, you know. So, nous les femmes, on devait se valoriser nous-mêmes. Laissons un peu des foutaises de côté, mais une femme est quelque chose de très précieuse. Vous comprenez, non? Profitez très bien de votre journée. Et je sais qu'il fait déjà tard quelque part en Afrique, en Europe. Je crois bien. Et la fête continue. Ce soir, je crois que beaucoup vont finir à se gorgoliser là. À faire tout, c'est votre journée. Ne préparez pas pour votre mari ce soir. C'est ton tour.
C'est son tour, c'est lui qui doit préparer pour vous aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous aime beaucoup. Mon nom est Marie Larose. Restez toujours connectés. N'oublie pas de me suivre sur mon Snapchat, Marie Larose, T-E-M. Je vous aime et vive l'Afrique et vive la femme africaine. Au revoir. Bisous là-bas.